Le fitness avec Doctissimo, les épaules et le bassin. Pour cette série, vous allez combiner des mouvements d'extension de tout le corps vers le plafond et un travail sur le côté. Pour le premier geste, les jambes restent bien tendues sans les verrouiller. Prenez de la place et donnez-vous de l'élan. Deuxième geste, assouplissez les genoux le plus possible. Laissez venir le mouvement de flexion et extension des jambes bien synchronisé avec le travail sur le haut du corps. Respirez toujours soigneusement. Attention pour ceux qui ont le dos fragile, ne vous laissez pas emporter. Troisième geste pour terminer. Vous allez décrire un grand cercle avec votre corps à partir du bassin en inclinant tout le buste. 5 fois dans un sens. Puis 5 fois dans l'autre. Progressez à votre rythme. Ce n'est pas une performance. Voilà une série avec une grande amplitude à déployer dans un espace adapté pour ne pas vous cogner au mur. L'idéal, c'est en plein air si vous en avez la possibilité.